Alors, dans le cadre de ce projet, la bibliothèque de l'hispaniste pour la chaîne YouTube du CRIA, je pense, comme toutes les personnes qui ont participé jusque-là, qui ont fait de ces capsules ou qui en feront, j'ai passé un petit moment à me demander de quel texte j'allais parler. Et en fait, j'étais partagée entre ce que j'appellerais mes deux identités de lectrice. La première, c'est mon identité de lectrice en tant qu'universitaire. Et là, je pense que j'aurais parlé d'un recueil de nouvelles ou d'un roman de García Márquez. Et puis, mon identité de lectrice traductrice. Et après avoir bien réfléchi, je me rends compte que celle qui a envie de parler en premier, c'est la traductrice. Donc, le roman dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un roman que j'ai traduit il y a de nombreuses années, je dirais entre une quinzaine d'années, je pense. Donc j'en conserve un souvenir assez vif, en tout cas des impressions que j'en ai eues en tant que traductrice, et peut-être qu'il y a certains éléments de la diégèse que j'ai laissé semer derrière moi, mais ça fait, je pense, aussi partie de la vie de nos amours littéraires, c'est-à-dire, enfin je crois, hein, on les rebâtit au fur et à mesure que le temps passe. Et j'ai préféré ne pas rouvrir le livre pour vous en parler tel que je me le rappelle. Alors en fait, ce texte, si je n'avais pas eu à le traduire, j'avoue que je ne l'aurais jamais lu. Alors, non pas parce qu'il s'agit de littérature espagnole, hein, il m'arrive régulièrement de lire, je ne lis pas que de la littérature hispano-américaine, mais enfin, si j'étais entrée dans une librairie et que j'avais vu ce roman, le titre ne m'aurait pas, ne m'aurait, ne m'a pas, enfin, ne me semblait pas particulièrement séduisant. Bon, et en fait, ce préjugé sur le choix du titre, ben, c'est effectivement un préjugé parce que je serais passée à côté d'un texte vraiment pour moi, c'est un petit bijou, La Enredadera. Voilà, alors il est écrit par Josefina Aldekoa, que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est une. J'ai commencé à lire quelques éléments de sa biographie quand j'ai commencé à traduire, et tout de suite j'ai été séduite par le fait que elle a commencé à écrire seulement à l'âge de 60 ans. Alors La Enredadera, je ne sais plus si c'est son premier ou deuxième roman, mais enfin ça fait partie de ses tout premiers écrits. Je me suis dit, tiens, c'est curieux, une femme qui a traversé une vie entière, une grande partie de sa vie, et puis qui, à 60 ans, éprouve le besoin de à son tour, passer à l'écriture. Je dis à son tour parce que c'est la femme d'auteur espagnol très connu qui s'appelle Ignacio Aldekoa. Alors, pourquoi est-ce que j'ai aimé ce roman? Alors, l'intrigue, au départ, pour ce qui est de la diégèse, c'est très, très simple. Tout tourne autour d'un espace unique, un espace, c'est une maison située dans le nord de l'Espagne, et une maison dans laquelle deux femmes vont vivre à un siècle d'écart, au 19e siècle et au 20e siècle. Celle qui vit au 19e siècle s'appelle Clara, celle qui vit dans la maison au 20e siècle s'appelle Julia. Et donc on va suivre, avec un entremêlement des lignes narratives, la vie de ces deux femmes dans cette maison. J'ai trouvé que c'était très intelligemment fait pour qu'on comprenne la permanence de certains questionnements sur le rapport à la maternité, le désir d'enfant, la vie de femme, la vie d'amante, sur le vieillissement, les interrogations sur le fait de se sentir enfermée dans certaines conventions, de sentir enfermée dans des angoisses qu'on peut avoir. Donc je trouve que c'était une façon intelligente de parler de la vie de ces deux femmes. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, et ça, je pense que c'est la perspective de la traductrice, ce regard, ce travail sur la syntaxe, le choix des mots, pour savoir comment est-ce que moi, il fallait que je rende cette chose-là, m'a obligée à avoir une perspective particulièrement attentive au travail de l'écriture. Et là, ce que j'ai découvert, ben, c'est une écriture vraiment très, très subtile. C'est-à-dire qu'elle, à la différence de certains textes qui sont lourds de didactisme, qui montrent les choses à grands et gros traits épais, là, c'est par le choix de certains mots, le choix de la syntaxe, la construction de paragraphes, la construction
de parties ou ce que j'ai dit tout à l'heure, l'enchevêtrement des lignes avec des points de jonction, avec des coutures qui sont très fines entre les deux histoires, qu'on comprend les choses. L'auteur n'a pas besoin de nous dire « cette femme se pose telle et telle question, elle est heureuse, malheureuse pour telle et telle raison ». Je le comprends à travers le regard qu'elle porte sur les choses, à travers les différentes circulations qu'elles font dans cette maison, qu'elles ont en commun. Et par exemple, il y a certaines pages qui m'ont vraiment émue, qui m'ont vraiment touchée, notamment, ces histoires se passent sur les 4 saisons d'une année. Et par exemple, pour traduire le passage du temps, plutôt que de dire on passait de l'été à l'automne, il va y avoir un tout petit détail comme ça où on comprend qu'on change de saison. Par exemple, vraiment, j'ai le souvenir d'une très belle page où, à un moment donné, sur le seuil d'une porte, il y a une aile de papillon un peu desséchée qui traîne. Et donc là, on comprend que ça fait partie des vestiges de l'été et qu'on entre déjà dans l'automne avec la nature qui change, mais en même temps, on est encore dans la nostalgie de l'été qui vient de s'achever. Voilà, donc ça, c'est plein de petites choses comme ça qui sont disséminées à l'intérieur du livre et qui font une écriture intéressante, qui vraiment porte la lecture. J'ai lu au moment où j'ai prévu de faire cette capsule, je n'ai pas voulu relire le livre, mais en revanche, j'ai lu quelques articles de presse et je suis tombée sur un qui était très intelligemment fait, qui disait des choses intéressantes sur ce livre et qui disait que c'était une journaliste qui disait qu'elle avait trouvé l'écriture très monotone. Et là, vraiment, ça m'a étonnée parce que moi, depuis la première page, je me suis complètement laissée porter. Et je trouve que ce reproche est vraiment, vraiment très injuste. Et je pense que vraiment, ça mérite qu'on aille voir ce livre. Notamment parce que, vous voyez, d'un point de vue de la construction, il est intéressant, vous voyez, quand je vous parle de subtilité, il est intéressant de voir que la femme du 19e, celle qui est la plus enfermée dans les conventions pour qui cette maison est vraiment oppressante, elle se dit à la première personne, c'est-à-dire elle va, on est vraiment dans une, alors il ne s'agit pas de confession, mais c'est un flux de conscience et on est au cœur des sentiments et des sensations qu'éprouve cette femme. Alors que la femme du 20e siècle, qui est supposée débarrassée d'une grande partie de ce carcan des conventions, etc., elle va être dite à la troisième personne. Et c'est intéressant de voir comment il y a plusieurs formes de l'enfermement et des limitations qui peuvent se dresser devant le parcours de deux femmes à deux époques différentes. Voilà, donc vous l'avez compris, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre, à la fois en tant que lectrice et en tant que traductrice, et je vous en conseille donc vivement la lecture.